Une cabriole, moi je bâtis folle, mon refrain s'envole autour d'une farandole. Longtemps avant que l'homme n'ait appris à voler, avant que le ciel ne soit noirci par la fumée des locomotives, il y avait, très loin, au-delà des mers navigables, un charmant petit pays. Blotti au creux d'un vallon, dans la boucle d'une rivière transparente, se trouvait un village. Et tout autour, recouvrant les collines sur des lieues et des lieues à la ronde, s'étendait majestueuse la grande forêt. Là, dans l'ombre veloutée de ses ramures centenaires, la vie s'écoulait paisiblement. Du moins, jusqu'au moment où notre histoire commence. Augustin! Curieux. Et là, qui est le vilain farceur? Non, jeune demoiselle, j'ai failli vous couper en deux. L'acier ne peut rien contre moi. Augustin l'intègre. C'est vous, n'est-ce pas? L'intègre, c'est moi. C'est aussi ma nature. Et maintenant, ôtez-vous de là, j'ai affaire avec ce chêne. Et moi aussi. Je vous prie de l'épargner. Voulez-vous, Augustin? Oh tiens, rien que ça, vraiment. Et peut-on savoir ce qui lui vaut cet honneur? Je suis la reine de cette forêt. Oh. Et moi, l'empereur de Chine. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Voyez-vous, ce chêne est le plus vieux et le plus beau de toute la forêt. Ah, pour ça, c'est un beau chêne. Il servira à chauffer le village pendant tout l'hiver. Avez-vous pensé à ceux qui auront froid? Aux petits animaux qui vivent dans ces branches? Regardez comme ils ont peur. Tout ça, vous êtes bien gentil. Épargnez ce chêne, Augustin, ils vous béniront. Et moi aussi. Au fond, vous avez raison. D'accord. Merci, Augustin. Vous serez bien récompensé. Je vous accorde 3 souhaits. Quoi? Tout ce que je désire? 3 fois? Bien sûr. Bon, je suis quand même bien naïf. Voilà que je renonce au plus bel arbre de la forêt et que je m'en laisse compter par une gamine. Pouah, faribole, tout ça, des fariboles. Où êtes-vous? Vous vous cachez? Augustin. Les souhaits sont pour vous et pour votre femme. Ne vous pressez pas. Oui, Votre Majesté. Je veux dire non, Votre Majesté. Je demande pardon à Votre Majesté. À présent, levez-vous. Merci, Votre Majesté. Je crains que le tronc ne soit un peu abîmé. Mais n'ayez crainte, Majesté. Il guérira vite, très vite. Vraiment. Martin, viens avec moi! Martin!
ce qui m'arrive. Bonsoir, Augustin. Bonsoir. Tu ne croiras jamais ce qui m'arrive. Mais si, le dîner est prêt. Va te laver les mains. J'y vais. J'y vais. Écoute-moi seulement une minute. Tu connais le bouquet d'arbres le long de la Grand Route et le gros chêne qui est au milieu. Eh bien, j'y travaillais tantôt. Lorsque soudain, j'ai une vision. Oui, je sais. Tu ne me crois pas, on dirait. Assieds-toi, on va dîner. Remercions le Seigneur. Amen. Écoute, Anna, je te raconte. J'étais en train de cogner dans le chêne, celui au milieu du bouquet d'arbres, lorsque tout à coup, je sentis un merveilleux parfum de rose. Encore du chou. Toujours du chou. On n'a jamais rien d'autre à manger. Tu sais bien que nous ne sommes pas riches. Remercie le Seigneur de ce qu'il t'envoie. Mais pour changer, j'aimerais bien qu'il m'envoie une tendre et belle saucisse. Tu l'as ? Comment est-elle venue ? Je te l'ai dit. Je m'évertue à vouloir te l'expliquer. Elle nous accorde 3 souhaits. Elle ? Qui ça, elle ? L'apparition, bien sûr. La belle jeune fille. Quelle belle jeune fille ? Oh, tu ne peux rien imaginer de semblable. D'abord, il n'y avait personne, et tout d'un coup, la voilà. Sa peau était de nacre rose, ses cheveux dorés comme le miel sauvage. Elle était si jeune. Tu n'as pas honte de dire ces choses à ton âge ? Si jolie. Tu mériterais que cette saucisse te pousse à la place du nid. La saucisse ! Regarde-moi ça. Tu as formulé le 2e souhait. 2 sur 3 sont déjà gaspillés. Je vais arranger ça. Oh. Il n'y a qu'à la couper. Ah non, merci. À ton aise, garde-la. Elle te va très bien. Peut-être que ça t'amuse que je me promène comme ça. Mais pas moi. Et je souhaite qu'on me débarrasse de cette chose à l'instant même. Tu devrais avoir honte de nous priver ainsi de notre dernier souhait. Comme si ça changeait quelque chose à un gros nez comme le tien. Le mien ne sent pas l'ail tout le temps. Alors, tu n'aimes déjà plus la saucisse. Tout à l'heure, c'était le chou, maintenant tu méprises la saucisse. Mais, Anna, je n'ai fait que vouloir... Tu l'as souhaité, non ? Nous sommes pauvres, et pour une fois qu'on nous permet d'exprimer un vœu, toi, qu'est-ce que tu réclames ? Une saucisse. 3 souhaits véritables, authentiques. Et qu'est-ce qu'il nous en reste ? Rien. 3 fois rien. Tu as tout gâché. Quand je pense aux choses dont nous avons besoin, oh, quand j'y pense, j'en pleurerai. Parce que monsieur n'aime pas le chou, il ne voit pas plus loin que le bout d'une saucisse. Tes souhaits, tes sottises, je me demande parfois comment j'ai... Augustin, pardonne-moi. Ce n'est rien, Anna. Oublions tout ça. Tu sais, Anna, déjouer sans un enfant, c'est aussi triste qu'un enfant sans jouer. Oh, Augustin, nous n'avons pas réfléchi. Notre rêve était si proche. Ne désespère pas. Peut-être qu'elle accordera un autre souhait. Un tout petit souhait. Aussi petit qu'il soit, j'en serai heureuse. Je l'aimerai de tout mon cœur. Même s'il était guère plus grand que mon pouce. Thank you.
Augustin. Augustin. On a frappé. Tu entends? Quelqu'un a frappé. J'ai rien entendu. Endors-toi. Qui est là? C'est bien ici, la chaumière du bois? C'est ici? La demeure d'Augustin le bûcheron? Oui. Je ne vous vois pas. C'est vous, Augustin? Oui, c'est moi. Où êtes-vous? Alors, je suis bien arrivé. Je vous entends, mais je ne vous vois pas. Abaissez votre chandelle. Plus bas. Là. Juste ciel. Entre, petit. Entre. Ouais. Merci. J'ai froid. Oh, ça fait du bien, père. Père? Tu as bien dit père? Bien sûr. Vous ne reconnaissez plus votre fils? Ah. Je devine ce que c'est. Dis-moi, c'est la belle jeune fille qui t'a envoyé. C'est elle? Bienvenue, mon fils. Bienvenue. Merci. J'ai couru tant que j'ai pu pour ne pas manquer mon anniversaire. Augustin. Qui est-ce? Un instant, Anna. Qui est-ce? C'est ta mère, mon fils. Ah. On va lui faire la surprise. Nous avons une visite, Anna. C'est un petit garçon. Il va vivre auprès de nous pour le restant de nos jours. J'ai toujours su comment t'appeler, mon fils. Oh, je suis comblée. Et moi donc? Mais est-ce qu'on n'a pas le droit à du gâteau aux anniversaires? Où ai-je la tête? Bien sûr, tu es affamé. Augustin, ranime le feu. Je vais te préparer une dinette. Table, un gobelet. Bobine pour tabouret. C'est un tout petit garçon. Sa tasse est un dé. Son assiette, un bouton. Et bon appétit. Bon anniversaire, Tom. Bon anniversaire, mon fils. Bon anniversaire à tout le monde. Il est tard et je dois encore te tailler des habits. Allons. C'est l'heure où les petits garçons doivent dormir. Le printemps est là.
après toutes mes peines et tous mes pleurs. Tu es notre enfant et nous sommes tes parents. Tous les trois, enfin, la joie dans le cœur. Ce qui en bon chinois veut dire bonjour. Oh, bien le bonjour, monsieur. Permettez à humble serviteur de présenter sa personne. Confession. Et permettez de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au nom de tous les jouets ici présents. Oh, merci. Bonjour, Tom Pouce. Bonjour, Tom Pouce. Bonjour. Bonjour, Tom Pouce. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Les jouets peuvent donc parler? Ils vous sont reconnaissants, Tom, de leur donner vie. Grandes personnes ne savent pas. Trop intelligents. Vous savez, Tom, durant longues, longues années, ces chambres sont tristes, tristes, abandonnées sans vous. Maintenant, nous, les jouets, si heureux de vous voir, nous faisons une grande fête. Ma chanson. Une cabriole, moi je bâtis folle, mon refrain s'envole autour d'une farandole. Tou-di-ou-di-ou, ti-dou-di-dou-di-dou, di-dou-di-dou, ti-dou-di-dou-di-dou, di-dou-di-dou-di-dou, tou-di-dou-di-dou-di-dou, tou-di-dou-di-dou-di-dou, une cabriole, moi je bâtis folle, mon refrain s'envole autour d'une farandole. Do 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 do
Sorti de ton berceau. Le soleil est à peine levé. Ah, les jouets m'ont offert une grande fête. Les jouets t'ont offert une fête? Ah oui, c'était très amusant. C'est vrai, on a chanté, on a dansé, on a ri, on a... Écoute, mon fils, l'imagination pour un jeune garçon, c'est bien joli, mais attention, pas trop n'en faut. N'oublie jamais que ton père s'appelle Augustin l'Intègre. Un carrefour, quel côté, père? À gauche, mon fils. Regardez-moi. Sans les mains. Martin, à gauche. Un autre carrefour, papa. Encore à gauche? Oui. Martin, à gauche, toutes.
Tom, cet âne semble comprendre tout ce que tu lui dis. Bien sûr, je connais son langage. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du grand marais noir. Qu'est-ce que c'est, un marais? Un lieu malsain, petit, où vivent d'horribles bêtes sauvages. Ne t'y aventure jamais. Elle ne ferait qu'une bouchée d'un petit gars comme toi. Que le diable me frise la moustache. Ai-je bien vu? Il faut croire. On dirait que ça bouge. Antoine. Hein? Quoi? J'ai une inspiration particulièrement brillante. Ouais? Cette petite chose peut nous être utile en diable. Quoi, ce petit moustique? Il est vrai pour une noisette. Ah, mais tu oublies le vieil adage. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il a la taille d'un trou de serrure, hein? Non. Non, je n'ai besoin de personne, moi. Je peux la fracturer avec mes propres mains. Bien sûr, tu peux, bien sûr, tu peux. Mais lui le fera en silence. Regarde-moi régler cette affaire avec le vieux. Jeu d'enfant, mon ami. Le jeu sera truqué, bien sûr. Oui, Ivan. La fortune est là, à nos pieds. Arrière, mon bras. Excusez-moi, seigneur. Mon collègue et moi, éminent colporteur, en route pour la foire, serions curieux de savoir le prix que vous demandez pour le petit gars. Le prix? Qu'est-ce à dire? Vous voulez l'acheter? Oh, non, 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 c'est plutôt en location. Ça lui sera utile. Il apprendra un métier et nous vous paierons. Il acquérera la science et vous, la finance. Mais il n'est pas à vendre. C'est mon fils. Oh, nous comprenons, n'est-ce pas, Antoine? Oui, très bien. On ne déchire pas le cœur d'un père. Vous me plaisez. À moi aussi. Vous me plaisez énormément. Adieu, petit gars. Un jour, ton père sera très fier de toi. Au revoir, petit. Viens, Antoine. Je n'aime pas l'allure de ces gens-là. Moi, je trouve qu'ils étaient gentils. T'appeler. Je te cherche à travers toute la forêt. Oh, pauvre Ulysse. J'ai reçu ma nomination en titre de second flûtiste à la fanfare du régiment. C'est une chose merveilleuse. Tu crois vraiment? Veux-tu t'asseoir? Tu sais, s'il n'existait pas cette barrière entre nous, toi étant surnaturel, moi simple et vulgaire mortel... La barrière n'est pas infranchissable. Tu veux dire, je peux être immortel aussi? Non, ce serait l'inverse. Tu deviendrais mortel? Qu'est-ce qui t'en empêche? Que dois-tu faire? Ce n'est pas à moi de le faire. C'est à toi. Moi?
Alors dis-moi. Tu ne devines pas? Oh. Faut-il que je sois premier flûtiste de la fanfare du régiment? Non. Oh, pas chef d'orchestre. Oh, c'est plus simple que ça. Ulysse. Oui? Peux-tu me faire une promesse? Tout ce que tu voudras. Voilà. Tu ne vas jamais, sous aucun prétexte, essayer de m'embrasser. Oh, non, certainement pas. C'est curieux comme on peut changer, vois-tu. Il fut un temps où je me serais littéralement jeté sur une jolie fille comme toi pour l'embrasser. Oh, j'étais une terreur, alors. Une terreur, vraiment? Une vraie terreur. Toujours, tout le temps, j'embrassais les filles. Et tant pis si elles n'aimaient pas ça. Bien sûr, avec toi, c'est différent. Dès que je t'ai regardé, je suis devenu un autre homme. Sais-tu pourquoi? Toi, tu es tout là-haut. Et moi, sur la terre. J'en suis là. Mais ça ne durera pas. Un jour, petite fée, je serai digne de toi. Et jusqu'alors, je te respecterai. Merci, Ulysse. C'est gentil. Bonjour Ulysse. Bien le bonjour, Augustin. C'est mon fils, Tom. Je suis enchanté, jeune homme. Eh bien, au revoir. Tu es bien pressé, Ulysse. Viens donc à la maison souper avec nous. Tu sais qu'Anna est toujours contente de te voir. Merci, Augustin. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je suis très pris en ce moment et il me faut retourner au village. J'ai du travail. Toi? Du travail? C'est vrai. Adieu. Je vous verrai à la fête dimanche. Tu ne nous verras pas. Anna et moi, on est trop vieux pour ce genre de choses. Oh, Augustin, non. Comment pouvez-vous laisser ce petit manquer la foi? Si vous ne pouvez pas l'emmener, qu'il vienne avec moi. Quoi? Et il s'amusera bien. Il sera l'invité du second flûtiste de la fanfare du régiment. Soyez en sûr, comme vous n'en avez jamais vu. Venez, venez, regardez bien, bottines, espadrilles ou escarpins, ouvrant le grand bal du joli brodequin, jusqu'à ce qu'ils soient tous vendus. Je vous les vends pas cher, et je les vends par paire. Joli soulier, joyeux soulier, gracieux soulier, valser, tourner, sauter, viser, la ronde folle va commencer. Danser, joli soulier, joyeux soulier, gracieux soulier, vous jouerez plus d'un tour à tous les danseurs d'un entour. Thank you.
C'est moi qui habille le pied charmeur des fées, des lutins, des elfes moqueurs, du chapoté, un connaisseur du petit pousset de Cendrillon. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, chaussez-vous donc à vos carousels. Vous serez beau, vous serez belle, plus léger que le papillon. Allez, soyez heureux, comme sont les amoureux. Dans ces jolis souliers, joyeux souliers, masques souliers, valsez, courez, sautez, glissez. La ronde folle s'est affolée. Dans ces jolis souliers, joyeux souliers, gracieux souliers, vos pointes et vos talons vont retrousser, 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 retrousser de les jupons. Comment trouves-tu la danse des souliers? Quoi? La danse des souliers. Oh, ils sont merveilleux! N'est-ce pas? On va en acheter. Est-ce que tu peux t'absenter? Oh, j'ai des creux dans ma partition. Nous reviendrons à temps. Je ne joue pas une note en ce moment. Tiens-toi, Tom. On y va. Auriez-vous pour une fée? Tu es vraiment drôle, Ulysse, vraiment drôle. Et il n'y a rien non plus pour le petit gars? Pour Tom? Je crois bien que j'ai ton affaire. Et c'est lui ceci. Où est-il?
Où est Ulysse? J'ai été fou de l'engager comme second flûtiste. Ulysse! Ulysse lui est renvoyé! Renvoyé! Ulysse, les sabots qu'il porte sont enchantés. Ils le feront danser tant que la musique jouera. Et qu'on arrête la musique! Arrêtez la musique! Hé, chef! Chef d'orchestre! Maestro! Ils veulent qu'on joue presto. Presto, oui. Avec joie. Une, deux. Chef d'orchestre, maestro, stop. Grand-père, as-tu vu Tom? Non, pas ici. Arrêtez la musique! Est-ce que vous n'auriez pas vu Tom? Non, Ulysse. Maman, viens, Tom! Tom! Ulysse, regarde-moi! Ne lâche pas, Tom! Oh, ça ne va pas, Ivan. Ça ne veut pas céder. Bien. Nous trouvons de ce fait dans l'embarras où tu nous as placés, il devient nécessaire de coordonner nos idées. Avec cette pièce de bois, nos efforts conjugués peuvent aboutir. Là, je vais compter jusqu'à 3. Tu connais le chiffre 3. Oui, ça vient après 2. Très bien. Allons. 1. 2. Et 3. Et si il nous faut considérer le problème sous son aspect scientifique absolu? Sûrement. Mais d'abord, te plonger dans le plus méditatif des silences. C'est clair. Appuie. C'est le petit moustique. Oui. Merci, je vous dois la vie. C'est la moindre des choses, jeune homme. Le destin a voulu me placer sur ton chemin. C'est tout. Ivan, nous pourrions peut-être l'employer. Nous pourrions le taire. Jeune homme, à propos de destin, il semble que tu sois tombé. Tombé juste au moment où mon collègue et moi cherchions de l'aide pour accomplir une bonne action. Je vous aiderai bien. Je le savais, j'en étais sûr, je l'ai toujours su, tu vois. J'aime dans ce charmant petit jeune homme son sens inné de la coopération. Bon, que faut-il que je fasse? Viens par là. T'as d'accord. Ah, à nous, mon cher Tom Pouce. Écoute-moi bien cet enfantin. Tu vois, le maire de ce village est une crapule notoire, n'est-ce pas?
Il a pris l'argent de tous les pauvres orphelins et il l'a caché là-dessous avec l'intention d'en profiter tout seul. Alors, si en descendant cette corde, tu parviens à extirper le trésor, nous irons le distribuer à tous les pauvres petits qui en ont tellement besoin, hein? Je ne sais pas, je devrais demander à mon père ou à Ulysse. Oh non, 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 il est inutile de les déranger. Je suis sûr qu'ils approuveront. En fait, je suis persuadé que ton père sera très fier de toi. Très, très fier. Oui. Vous croyez? Mais naturellement. Allons, finissons-en. Enfin, je veux dire, faisons l'impossible pour aider ces chers petits orphelins. On y va? Antoine, tout arrive à qui sait attendre. Il a gobé comme une mouche cette histoire idiote. Hé, hey, attendez! Qu'est-ce qui me prouve que cet argent ira vraiment aux orphelins? Tu as ma parole d'honneur. Et tu as la mienne. Oh, alors c'est bon, ça ira. Des sacs. Lequel? Le plus gros de tous. Tu grimpes dessus et on te ramène. Ça va marcher, Antoine. Et notre astuce restera un mystère. Encore plein là-dedans. Ivan, débarrassons-nous du gosse maintenant, avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche. As-tu perdu la tête? Laisse-moi faire. Ouais. Écoute, mon cher petit ami, nous allons t'emmener faire une belle promenade. Ivan, il n'y a personne. Filons. Alors, Tom, on va se dire au revoir. Là, c'est le chemin de ta maison. Alors, n'oublie pas notre secret. N'en parle à personne afin que nous puissions faire la surprise aux chers petits orphelins. Oh, à propos, je suis sûr que les chers petits orphelins voudront t'offrir ceci. Cours, attrape-la! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Adieu. Ah.
Où étais-tu toute la journée? Oh, j'ai été partout. Je me suis bien amusé. On m'a donné des souliers magiques et j'ai dansé. Je suis monté en ballon et j'ai aidé deux de mes amis à faire une bonne action. Et la nuit venue, tu tombes dans le marais noir. Oh, je m'en serais bien sorti quand même. Merci en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Bonsoir, petite fée. Bonsoir, Ulysse. Ah. Dis donc, toi, sais-tu que j'ai fouillé chaque recoin de cette forêt pour te retrouver? Alors tu t'es égaré, sans doute? Moi, égaré? C'est toi qui t'es perdu, tu veux dire. Je t'ai cherché toute la journée. L'ennui avec toi, Tom. Oh, Ulysse, il ne faut pas le gronder. T'occupe pas, petite fée. L'ennui avec toi, c'est que tu n'as aucun sens des responsabilités. Responsabilités? Et que fais-tu de tes propres responsabilités? Tu as perdu ta place et négligé Tom. Il était parti pour vous acheter les souliers. Ne te mêle pas de ça! Ne crie pas tout le temps. Tu devrais le ramener chez lui, voyons. Oh, fais ci, fais ça! J'en ai assez! Je patauge toute la journée dans ce marais à rendre service à tout le monde. Quand ce n'est pas lui qui s'envole sur des ballons, eh bien, c'est toi qui me harcèle pour un baiser. Ulysse, quelle toupet! Oh oui, j'en devine des choses. Je ne suis pas si bête, tu sais. Eh bien, je t'embrasserai quand je serai disposée à t'épouser, et pas avant. Si tu crois que j'épouserai un fainéant, un bon à rien comme toi, tu n'es qu'un... un second sous-fifre. Qu'est-ce que... Ne t'en va pas. Je suis désolé, Ulysse. Tout est de ma faute. Oh, ça ne fait rien. Viens, Tom. Je vais te ramener chez toi. Le grand fainéant d'Ulysse, il va avoir du mal à s'expliquer. Ton père est de bien mauvaise humeur. Oui. Dis, tu ferais bien de partir. Je vais tâcher de filer au lit sans être vu. Tu as eu assez d'ennuis pour aujourd'hui? Oui. Merci, Tom. Bonsoir. Bonsoir. C'est honteux, honteux. Un garçon de son âge dehors à cette heure-ci. En plein milieu de la nuit. Je n'aurais jamais dû les laisser sortir, c'est de ma faute. Mais où sont-ils? Où? Ce panarien d'Ulysse avec ton fils. Il aura de mes nouvelles. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Il lui arrivera quelque chose quand il rentrera. Je suis furieux à l'idée que ce gosse est en train de vagabonder. Je lui en ôterai d'envie, moi. Tu peux me croire, va? Voilà. Tu te décides enfin à rentrer à la maison. Et pourquoi, s'il te plaît, à cette heure tardive? Trouve-moi une bonne raison. Augustin, il n'est pas bon que tu te mettes en colère ainsi. Nous en reparlerons demain. Dis bonne nuit à ton père. Bonne nuit, papa. Je te demande pardon. Des ennuis, oui. J'ai fait beaucoup de peine à mes parents et j'ai du chagrin. Chagrin, très bon pour devenir meilleur. Humble ami, suggère que vous dormiez. Non, je ne peux pas. J'ai été tellement méchant que je ne peux pas. Problème très facile à résoudre. Je vais vous présenter vieil endormi. Très bon ami. C'est moi l'endormi, vieil endormi, je
tombe innocent victime des amnis que moi je guéris parfois en baillant ma pantomime. Ah, 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 ah. Que tu danses en rage, sans répit, comme une vraie momie. Écoute donc cette mélodie, faut qu'on baille, 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 que l'on baille, baille, que baille. C'est comme ça qu'on danse jusqu'au matin. Marchand de sable est un grand charlatan, une poussière dans l'œil, y a rien de plus agaçant. Faut qu'on baille, 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 que l'on baille, 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 c'est comme ça qu'on dort jusqu'au matin. Vas-y, donc. Des pilules et tu comptes mille boutons, mais les yeux te brûlent. Non, il n'y a qu'une solution. Faut qu'on baille, 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 que l'on baille, baille, que baille. C'est comme ça qu'on dort jusqu'au matin. T'asseoir. Tu ne peux pas aller travailler par un temps pareil. Prends-en ton parti et déjeunons tranquillement. Où est Tom? Il dort encore. Réveille-le. Oh non, laisse-le dormir, il est si fatigué. Qui ça peut-il être? Messieurs, qu'y a-t-il pour votre service? Un petit renseignement. Le trésor a été volé et nous cherchons les coupables. Vous n'auriez pas vu des rôdeurs? Non, personne. Et toi, Anna? Non, non, rien. Vous avez battu la forêt? Oui. De fond en comble. Nous allions déjeuner. Vous prendrez bien quelque chose. Entrez, messieurs. Vous êtes ici chez vous. Oh, merci. Asseyez-vous. Voici une chaise. Merci, madame. Je vous en prie. C'est délicieux, madame. Ah, merci. Réveille-toi, réveille-toi. C'est une pièce qui appartient au trésor. Ça ne fait aucun doute. Eh bien, madame, avez-vous l'habitude de vous servir de pièces d'or en guise de levain? Mais je ne sais pas du tout comment elle est arrivée là. Cette pièce provient du trésor dérobé. Où se trouve le reste? Sergent, je l'ignore, et j'ignore qui a pu la mettre dans le pain. Ah, tout ceci est très louche, vraiment, vous ne croyez pas? Vous nous prenez peut-être pour des voleurs? Et dire qu'on vous appelle Augustin l'Intègre. On peut vous appeler Augustin l'Intègre, mais pour moi, ce serait plutôt le voleur. Ce n'est pas vrai! C'est lui le coupable.
Je vous défends de le traiter de voleur. Je vous arrête tous les deux. Hé, hey, réveille-toi, debout. Réveillez-vous. Réveillez-vous, au secours. Confusion. Confusion, réveille-toi, réveille-toi. Honorable vieil endormi, possède un pouvoir très puissant. Nous devons ouvrir la porte. Confusion. Les gendarmes ont accusé mon or du vol des parents. Non, non, je veux dire, il faut ouvrir la porte, vite. Ce n'est pas un voleur. Tu es réveillé. Jacques le diablotin. Oui, 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 allons-y. Non, mais c'est une erreur. Suivez-moi. Vous n'avez pas fini de m'entendre. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne me touchez pas! Debout, Jacques! Vite, vite, debout! Oh, juste au maire. Maintenant. Mais, honorable, tombons, abusons, honorable, diablotin! Il fallait le dire, bon sang de bonsoir. Que puis-je donc faire? Peux-tu ouvrir la porte? C'est pratiquement chose faite. Oh, Confusion. Que faut-il que je fasse? Pour prouver innocent, trouver coupable. Je sais qui sont les voleurs. Connaissant cela, problème est enfantin. Oui. Bien sûr, je n'ai plus qu'à trouver les voleurs et les livrer à la justice. C'est ce que je vais faire. Sans retour, toi, moi, c'est nous.
Bonjour, Tom. J'ai été là à me donner la sérénade. Comme ça. Je vois. Et où vas-tu? Moi, je dois aller capturer deux bandits. Vraiment? Et qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire? Ben, ils ont volé le trésor et mes parents ont été accusés du vol. Ils sont en prison. Oh non! Mais c'est terrible! Bien sûr, c'est terrible! Alors, tu viens ou tu restes là à te payer des sérénades? Non, non, je viens, Tom, bien sûr. Alors allons-y, je les connais tous les deux, moi. Le premier porte un chapeau pointu et l'autre est un gros grand bonhomme. Attends un peu. Habillé tout en noir. Oui, oui, et... C'est eux. Toi, tu les connais. Et moi, je sais où ils sont. Allons-y, Tom. Reste ici. 7 pour moi et 7 pour toi. 8 pour toi et 8 pour moi. 9 pour toi et 9 pour moi. 10 pour toi et 10 pour moi. Et 11 pour toi. Je viens reprendre le trésor que vous avez volé. 12 pour toi, 12 pour moi. Donnez-moi ces pièces tout de suite. Donnez-moi ces pièces tout de suite. Oh, 14 pour toi et 14 pour moi. T'as dit de s'en aller. Ah oui, c'était très clair. On recommence tout. Vaudrait mieux filer et partager le butin plus tard. Hé, hey, je veux ma part maintenant. Bon, très bien. Dépêchons. Une pour toi. Une pour moi. Deux pour toi. Deux pour moi. Ulysse, réveille-toi. Moi. Trois pour moi. Quatre pour toi. Quatre pour moi. Cinq pour toi. Cinq pour moi. Six pour toi. Six pour moi. Sept pour toi. Sept pour moi. Huit pour moi. Huit pour toi. Neuf pour toi. Neuf pour moi. Dix pour toi. Dix pour moi. Onze pour toi. Onze pour moi. 12 pour toi, 12 pour moi. Santé. Ah, je colle. Ah. Hé, hey, Ivan. T'en as plus que moi? Tu m'as vu les compter? On recommence. Cette fois, c'est moi qui vais compter. Un pour moi. Et un pour toi. Deux pour moi. Et deux pour toi. Trois pour moi. Et puis, trois pour toi. Quatre. Ça va. C'est toi qui comptes. Ah! Une pour toi et une pour moi. Deux pour toi et deux pour moi. Trois pour toi et trois pour moi. Encore un coup, Ivan. Aux orphelins. Oh.
Evan, il y a un voleur ici. Et ce n'est pas moi. Il y a deux voleurs ici. Et tous les deux, c'est toi. Thank you.
Attends, le voilà. Tu vas voir comme je vais te croquer, mon petit homme pousse. De divulguer les noms de leurs acolytes, ils recevront encore 12 coups de fouet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont volé! Silence! Donnez le fouet! Silence! Silence! On n'a rien volé, on est innocents! Il m'a mordu. Il m'a mordu. Mais où est-il? Voilà, Ivan. Là, le voilà. L'or, hein? Fais de beaux rêves. Bonsoir, bonsoir. Là, je crois qu'on est débarrassé du gosse. Oui, oui. Alors, sortons nous d'ici, hein? Non, non, attends, il y en a encore. Non, non, laisse-les aux petits orphelins. Viens vite, allons. Je suis un petit orphelin. Voilà.
Tom! Avant d'exécuter la sentence, je vous donne une dernière occasion de vous racheter. Où avez-vous caché cet or? Je vous le répète, messire, nous n'avons rien à cacher. Dites au bourreau de se préparer. C'est nous qui avons le fric, c'est nous qui avons le fric. C'est pas par là, cette route nous conduit au village. Mais cette bourrique n'obéit pas. Faites place au bourreau. Qui tourne la route? Tourne à droite, espèce de garçon. Pas à droite, qui va, pas à droite. Mais je sais, mais il ne va rien entendre, l'animal. C'était très bien. Prends à droite, qui va, prends à droite. Carrefour en vue, mais toi, tu vas filer tout droit. Mais je ne peux pas aller plus vite. Qui ont volé l'or. Jour ment, jour pas. Vite, arrêtez ces deux hommes. Prends-toi de la folle du quai. Hey. Où est Tom? Par ici, Ulysse! Me voilà! C'est comme ça que je voyais les choses. Essaie encore, gentiment. Comment? Comme ça? Oh oui. Ma petite femme. Enfin. Ouais.
Doo-dee-doo-dee-dum-dum, doo-dee-doo-dee-dum-dum-dum. Hey, Ulysse, c'est comme ça qu'on fait? Doo-dee-doo-dee-doo!